Tu fais quoi pendant les vacances? Je skie. Oh le pauvre, moi je vais chez mes grands-parents. Trop bon. Ouais. Ça va être cool cette sortie. Ouais, enfin j'espère. Maman, qu'est-ce que vous faites là? Mais c'est notre miroir, c'est à nous là. Mais franchement, non, mais peut-être que vous avez. En plus, vous regardez dans le miroir, mais ça sert à rien quoi. Vous allez où là? On va s'expliquer d'abord, hein. Ouais, 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 ouais. Vous êtes vraiment des mangetés là. Ouais. Ah, on va s'expliquer avant. Petite mangetée là. Non, mais franchement, vous revenez ici, on vous démonte. Ok, alors maintenant vous sortez. Allez, dégagez, allez, vite, vite, allez, allez, allez. Allez, on va plus ici. Sérieux? Bien vu comme ça là. Ouais. Ils ont l'air de nous apprécier en plus, c'est bien. Moi j'en trouve aucun mignon. Ouais, je crois que moi aussi. Ben on rentre là. Ouais, toujours devant la glace. Ouais. Toujours pareil. Vas-y, mets-moi ça. Ça va, j'en ai assez, c'est bon? Oui, c'est bon. Oh, parfait. Oh, c'est chiant, ça m'énerve comme ils font toujours à se maquiller là, c'est bon. T'imagines la sortie? Mais elles ont que ça à faire, hein. Ouais, non, c'est bon, ça saoule à la fin. Ils sont encore devant le miroir. T'as vu? Trois jours de suite. Elles ont rien dans la tête, tu vois. C'est des pains beiges, c'est tout. Il faudrait qu'on leur dise, non? Ouais, ça vient. Je sais bien, ils vont faire ça va ma coiffure, truc comme ça. Donc, ça va mes cheveux? Voir. Non, t'as une petite mèche. Ouais, t'as pas une barrette? Non, ouais. J'en ai pas, vous en avez pas? Je crois pas. Non. Ça va, jeune? Je fais l'appel pour avant de partir à la sortie. Donc, Evan, tu es là. Elles sont les morues là? Bon, allez, moi je suis prête. Voilà, c'est bon. C'est... Voilà. Sortir. Les morues, allez, viens ici. Non, mais c'est ma place là. Ah, c'est plutôt bon aussi sur le ciel. Là, elles sont là, les trois. Il y a manque là. Il manque les deux. Je sais pas, elles sont. On les a pas vues ce matin. Mais elles étaient devant nos miroirs, alors on leur a demandé de partir. Pourquoi vous avez fait ça? Ben, on devait se regarder dans le miroir. Voilà. Le miroir est là-haut. C'est plus maintenant, monsieur. Vous êtes pas le centre du monde. Elles sont où là? Je sais pas. On sait pas. Elles sont parties après. Mais où elles sont parties? On sait pas. Bon, je vais aller chercher, mais attention pour vous. Bon, c'est bon, j'ai retrouvé les deux petites. Les deux petites, prenez deux siennes, asseyez-vous. Eh bien, c'est pas trop tôt, hein. C'est comme être votre femme, non? Ben non, on doit se regarder dans un miroir, on se regarde, et puis voilà. Puis bien, t'es très bon, franchement. Ouais, une petite mocheté. Regarde-toi d'abord, hein. Ben moi, je trouve ça goûtant, tu vois. Voilà. Ouais, comme vous dites, votre jogging, hein, vous avez pas de style. Moi, franchement, si je pouvais, j'inventerais un règlement avec interdit aux filles en jogging, parce que vous êtes plus cool. Et du mocheté aussi. Ouais. Et moi, un règlement interdit aux pots de peinture. Mais qu'est-ce que pots de peinture? Mais bon, c'est bon, stop. Le respect, c'est avant tout d'accepter les différences de chacun. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Surtout pour vous, là. Hein. Oui. Oui, oui. Bon, maintenant, on peut y aller. Allez. Ah, merci. Attends, que je vais vous croiser. Non, mais c'est un peu abusé, là, je crois. Les filles, venez ici, là. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? En fait, on était dans les toilettes en train de se coiffer et de parler. Puis après, il y a les filles, elles sont arrivées. Elles nous ont retenues dans les toilettes. Mmh. Puis au bout d'un moment, elles nous ont jetées contre la vitre. Et puis on a eu tellement honte qu'on est parti. C'est vrai ça? Ouais. T'es pas honte? Si. On est vraiment désolés, on s'excuse. Ouais, on a plus le fait. Et ça, je veux plus le voir, les filles. Hein. Oui. C'est parce qu'elles sont plus petites, qu'elles n'ont pas les mêmes salles que vous les rejetez. Oui, d'accord. Tu as compris ça? Oui. Et maintenant, on y va.
Agnès. Dis-moi, je suis avec les jeunes, on est en train d'écrire le prochain scénario. On se disait que ça serait pas mal qu'on ait un peu de budget pour aller un peu plus loin cette fois. Tu négocies ça? Ok, ça marche.